Bienvenue sur News AD, un véritable plaisir pour nous là avec vous. Vidéo ça n'a pas fait et c'est surtout pour monde et qui gagne un case, une application qui a fait longtemps et dans USCIS, il va jamais joindre rien. OK? On va parler pour même capitaine en Haïti, non? Haïti a connaît son autre problème. On connaît que gagne monde qui dit pour aller ouvrir pour septembre de demain. Fait ma gain pour mal vérifier ça, mais Haïti nous connaît que il était campé sur toute bagarre. Là on a parlé pour vous même qui aux États-Unis font application ba connaît soit pour madame ou petit tout et puis qu'est-ce là et li gon pile temps l'a souffri pour pas jamais dire hein. Nous pral bon une alternative qui est assez intéressant. OK, c'est pas seulement pour ça tout et vidéo ça capable et d'autres par exemple si gain ça ndarelé typo erreur, ça veut dire si que yo mal tapé non ou bien gon erreur quelconque dans carte travail et si tu as un problème tout avec mailing issue, ça veut dire yo peut dévoyer bagaille yo pour envoyer la wrong address bien qu'on ka fait change of address tout. OK, et mais des fois gagne des monde qui kon fait change address toujours pour envoyer la même adresse encore. Donc et gen des cas si son cas emergency tout et vidéo ça bon pour tout et sou gen yon cas côté que yo rejeté mon application fait mon senti son abus yo pas supposé rejeter. OK, et ou gen un cas tout que ou gen pour parler devant juge ou vont un dossier ba USCIS ou t'as besoin réponse là bien rapide. En fait c'est de ça nous parler maintenant, on essaie de comprendre pour capable comprendre ça n'abdoula là. À la vérité, gagné yon agency au niveau de Homeland Security que c'est job li ça. Yo rele li Ombudsman. C'est Office of Citizen Immigration Service Ombudsman. Office ça et mission liste la essayer améliorer qualité service que USCIS a bail. Ça veut dire que c'est une institution indépendante et comme quand Dadou il a pour faire un check si gon erreur pour dire monsieur mais bagarre pour corriger li gen pour bay rapport. En d'autres termes, c'est une entité indépendante qui a veillé sur travail qui a fait au niveau de USCIS. OK, so en boss maintenant lui permet que ou capable faire une request online avec yo. OK, et retenez non forme ça. Forme ça, pardon guys, qui relé et pardon. Forme ba non. Forme ba non. Non forme là, oui, et forme là relé DHS 7001 qui c'est un request que vous capable faire. OK, donc l'important justement pour qu'on ait n'a parlé de une institution au sein de Homeland Security job li là justement pour aider lorsque gain ou a confronté des problèmes. Mais attendez bien avant même moi le contacter yo, mais ça yo di c'est vrai que force femme qu'on a dit regarde va d'arrêter moi gain 1 an yo pas jamais répondre moi 1 an yo pas jamais répondre nous c'est vrai mais faut regarder est-ce que 1 an ça li en dehors de processing time là. Est-ce que vous comprenez? Parce que 1 an c'est pour même li trop long, mais qui ça USCIS dit dans cas ça suivant center côté y a process y a combien de temps yo supposé prendre? Est-ce que vous comprenez? So d'abord faut aller checker par contre qui faut nier si c'est un cas de travail, si c'est en résidence. Allez sur web ça là côté qui nous connait parler de ça souvent, ça qui relève processing time. Checker combien de temps normalement il prend pour vous process ce là. Sou c'est 1 an et demi ou même gain 1 an ou va gagner le faire 1 an et mettre derrière au côté pour chita. OK, donc ça nous essayer là avant moi le contacter, faut make sure de ça. Et yo conseille nous parfois tout et gon code yo kon voye ba ou sou vle ka kre un compte online tout avec USCIS ou capable suivre case la pi bien. OK,
Maintenant ça yo di yo capable aider. Si vous checkez dans 15 processing time là, ou est que yo dou c'est un exemple 18 mois pour ba la ta prend ou dans 2 ans. Ou bien ou dans 20 mois. OK? Ou dou c'est 18 mois. Depuis le dépasser 18 mois à ce moment de la durée, ou capable contacter ou capable justement fait request avec eux, bien que nous connaissons pas faire request avec eux, mais eux même tous ces jobs yo ou capable faire request avec eux. OK, et yo dit tout yo capable de si gain un typographic error, ça veut dire nous comprendre non mal tapé et Jean écrit non mal tapé, il y a pas d'autre. Et si par exemple ou perdi ça n'a relé et les avoir fichier au bas yo t'a perdu yo aidé dans sens ça tout donc yo aidé tout le fait que ou pas yo dou yo melou ou bagay ou pas jamais ca recevoir. OK, yo ba aidé dans sens ça et des cas qui vraiment impliqué emergency hardship. OK, et donc faut expliquer pas à plus B pour qui ça corps là son cas emergency et gien des cas tout côté que si mon nan pral passer de 20 à 21 ans ou ka écrit justement pour yo accélérer dans sens ça. Yo relé ça age out. Là il va passer de une catégorie à une autre. Et des cas tout côté clairement ça qu'on arrivé, là li yo dou yo deny, yo reject li alors que c'est des erreurs ou bien ça officier a dit al pa gen ken rapport avec la loi. OK, ça fait côté que yo deny ou mais sous base de ou yo la tout pour aider ou et gen des cas côté que ou gen pou pa devant juge ou font pétition qui devant ou et que nan non t'a besoin pétition ça. Maintenant gardez bien mais ça qu'on capable faire li facile ou cacher à la caille ou faire et moins bon non forme nan ou ka taper forme nan. OK, et form nan rele electronic form DHS 7001. Ma pou di lan anpou electronic form DHS 7001. OK, so gen li normalement online lo a la dani sou tape dhs.gov topic CIS ombudsman form 7001, bon montrer nous li là pour capable ouais son demande ou faire bien dit tant pour bagay ou passer processing time déjà et comprendre bien ça fait intéressant. C'est une institution qui au sein même de DHS et c'est job yo ça où ils ont intervenu dans toute situation so dou là. OK, so bon montrer screen moi hein pour capable ouais. OK, mais screen moi guys et bon faire le plus gros pour moins bon faire ça plus gros pour bon sinon et bon regarder sinon bien. OK, so ça c'est en tête là nous est que et là moi dans dhs.gov topic là c'est 6 ombudsman form là sous tapez sur Google form dhs form 7001 là maintenant là et là yo parler de alerte qui sorti différentes alertes flexibilité et bon maintenant là on la donne mais yo bon instruction générale instruction qui sera fait pour faire le pas gain pour payer et si des questions vous pose li pas appliquer au bagage li mais DHS by privacy donc ça est des bails bagage la donne ou mettez non ouais. Ouais, non, pas grand, hein. Et puis, non, prénom, qui ça encore? Là, ou bien, vous mettez section country of citizenship, country of birth. OK, so, nous, on va faire, en d'autres termes, ouais, identification, information, alien number, application, petition, section, ou pas demander quel type d'application. C'est là, on va choisir, on va mettre reçu, et puis, on va mettre la kit. Qui genre de forme, vous comprenez?
So you bon si gon bagay ou pa gen ou ap kite blank et puis sou gen dead ouais gen la yo bon côté pou mete et bam gade ça bel ouais you bon upload supporting document ça bel net OK ça bel net ou quand même upload dans da di ke se yon on carte ki ta gen erreur ou ka upload li pou montre sa passé ou mete attachment là et c'est en deux choses OK ça vraiment intéressant et puis ou gagnez vérification section tapez non et puis ou cliquez submit ou fini OK so guys et ba me reculer pour capable ouais sous page moi hier mettez la 100 la paraît petit mais l'essentiel ça moi voulez pardon ça me montre là c'est qu'il y a plusieurs sections ouais section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 sections que vous gagnez qu'on capable submit et forme là m'a rebon encore li rele DHS 7001 et m'a expliqué qui ça li pour ka comprendre l'importance li c'est le fait que c'est un nous te ka rele un third party et yo a veye à qualité service DHS et non dou dans toutes circonstances que yo capable intervenir pour pas ni courriel sou yo sans qu'on pas fait démarche ou supposé faire pas oublier que au sein même de USCIS gain des démarches tant que Samsung dou là 15 processing time et si son bagage qui mérite changer adresse ou café li généralement d'ailleurs soit le consulter au gens dou là et que qu'ils ont li style dans processing time yo pas répondre OK c'est vous dire on gain 1 an si que ça et vous 18 mois ou gain dans business sport vous comprenez yo là justement c'est pour améliorer service là yo promet que yo pas jam prend plus que 90 jours et après pour nous OK et yo te dit actuellement yo submergé en bonne cas yo bay tête au septembre là yo te gain pile backlog yo dit yo va le résoudre li c'est deux monde qui fait request pour que jam bagay parce que c'est une meilleure façon qu'on capable résoudre justement de cases que vous gagnez assez longtemps et que vous pensez qui dépasser processing time et yo explique des cases tout des cases côté que yo deny et que si yo deny yo gagne raison pas besoin à côté vous comprenez moi me connais gagne plusieurs cas côté que yo deny mon yo pas supposé deny vraiment vrai ouais ça me dit là mais faut make sure que la semaine la durée ou cas contacter ou cas faire request là tout donc moi c'est que et c'est vraiment un bon outil. Il y a plusieurs articles que nous avons regardé qui parlent de lui. Et ouais, submit a case assistance request. Vous là pour vous assister. Vous avez dit Office Citizenship Immigration Service Ombudsman. Ok? Vous assistez des individus, vous assistez des séries de compagnies, vous les employeurs et résoudre des cas en possession de problèmes qui ont un rapport avec US Citizen. Immigration service yo examiner so di yo fè yo et ça vous dit le recru yo yo gade so di yo OK et yo examiner fè yo pour chaque so submit yo refè révision sou donné que qui gen dans système non yo analyser ça la loi dit dans rapport là et régulation politique procédure et yo déterminer si effectivement faut qu'yo intervenu faut comprendre bien la table dit soit font demande yo voit que ça qu'a fait la normal pas rien qu'a normal yo pas intervenu OK c'est ça vous comprendre OK donc yo là pour faire des analyses et mais yo rappelle bien que c'est pas yo qui yo pas responsable pour yo décider et yo pas gain autorité de décision. Yo c'est un organisme de contrôle, ils sont un organisme qui fait recommandation pour comprendre. Mais il y a des cas et côté que c'est des erreurs flagrantes, yo capable yo expliquer qu'il y a des cas spécial côté que sont erreurs flagrantes justement yo capable décider. Ouais ça me dit là et donc donc voilà, bon, c'est que c'est vraiment en fait yo dit mais toute case que assisté, bon, gen des moun sou son US militaire personnel, tout ça c'est des cas yo assisté ou tout. Et yo
dit qu'il y a des problèmes qui t'a demandé pour bah en pile attention des cas particuliers, penser qu'il y a une attention spéciale qui vous t'a bail pour Kaola, quoi risquer yo capable intervenir pour vous-même et comprendre bien, yo expliquer bien si yo agit cas par cas. OK, yo intervenir pour des sous chaque grain cas. OK? Et yo bien dit yo pas là pour yo bon legal advice, yo pas avocat, yo pas là pour yo bon conseil légal, OK? Si c'est des choses qui pas grand rapport avec USCIS, yo pas caido. OK? Donc, yo toujours dit nous essayer d'abord contacter USCIS, contacter téléphone, faire toute bagaille. Si ça pas marché du tout, c'est laisse ça yo justement conseiller vinn côté puisque yo là pour yo voyager sous job, sous travail, sous qualité et travail USCIS à faire. OK, donc c'est en sens ça. Et donc voilà, et nous pensons que c'est une bonne alternative puisque quand tande en pile monde et donc si yo yo bon email tout si par exemple ou ta écrit ou pas grand rien dit pas solve et ou capable email yo non 6 ombudsman a hqdhs.gov et est-ce que non ça apparaît petit bon faire plus gros ça veut dire si par exemple mais quand on a email yo pardon oui mais email là OK ça OK et ça aussi par exemple pour ta sobe non bagaille va ta répondre ou ka email yo. Donc guys, pense que ça c'est parmi tous les outils que nous toujours parler, pense que c'est un bon outil parce que fort souvent quand on a des erreurs qui fait dans USCIS, fort souvent quand on parfois yo écrit ou pas ka joindre ni autre, on va comprendre. So nous pense que ça intéressant le fait que le permettre que ou fait bagaille online, c'est genre de choses. Donc vous voulez parler de ça avec nous. Hier moi pas live et hier qui était vendredi et moi pas live donc pense que me dépote information ça pour nous m'a fait fort pour jeudi samedi pour moi capable ensemble avec nous. Donc c'était un véritable plaisir, pas oublier toujours pèser bouton subscribe là sur News ID sur parmi ça m'a pour la caille. OK, vous connaissez nous sur des plateformes guys, parfois me dit News Aid, ça c'est pas le misakma pour la caille, nous est là. OK, portez-nous tout bien. Bye bye tout le monde.